Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, petite vidéo courte parce que aujourd'hui j'ai prévu fendre du bois. C'est une petite vidéo sympa, ce que je vais vous faire, une petite vidéo courte. Bon, du coup voilà, on va faire un petit vlog pendant 10-15 minutes. Bon, du coup voilà, bon allez, je vous pose la caméra et puis je vous dis le mettez le pouce bleu, abonnement. Et puis, pour soutenir la chaîne, et puis, parce qu'on est bientôt arrivé aux 100 abonnés. Alors là, explosez-moi les abonnés, les gars. Alors, du coup, allez, c'est parti. Je vous dis bonne vidéo. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Non, du frêne plutôt. Allez. On arrive dans des nœuds. Alors ça c'est un bois, là ça serait, on se réchauffe, là c'est bien. Bon, je vais juste le fendre, je vais pas le mettre en tas. Je le ferai avec mon papy demain. Alors là je fonds, là je vais fondre que les gros. Faut envoyer la patate hein. Parce que là le bois est dur. J'espère que vous allez bien me voir à la caméra, c'est un peu sombre. Thank you.
pierre. On va le ranger au fur et à mesure. C'est encore trop gros à fendre pour prendre ça. Là, mon pote, merde. Bon, il est super dur, du coup. Et puis je tape pas au bon endroit à chaque fois, ça me saoule. Tac. J'ai vu ce que t'as fait là-bas. Oui. À l'autre tas, ouais. T'as fait ça quand? Hier.
m'en doutais. C'était pas comme ça quand je suis parti hier. Putain, mais il est arrivé quand même. Ah, ils sont. Là, ça vaudrait le coup d'avoir la masse par-dessus. Ou des coins. Ouais. Hey. Bon, j'y reviendrai demain soir. T'es tout seul? Ben, au début, Robin, il voulait venir, mais Alix, il faisait la comédie. D'accord. Mais c'est intense. Ah, il résiste, celui-là. Là, il se fend. Il y a un nœud. Il y a deux nœuds. Tu t'arrêteras à la maison? Hein? Si tu veux. Ouais. J'ai une bouture de rhubarbe à faire pour une collègue. Ah! Donc je vais y aller. Là, j'ai mis la chaux. Je l'ai eu. Tu vas l'avoir là. Ah, hier. Bah oui, disons. Hier, là-bas, j'en ai tapé sur des gros nœuds. Hein. Et je te dis que j'ai réussi. Hein. Ouais, mais j'ai vu. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je croyais que t'allais repartir hier. Ben non, j'avais dit avec Robert, tiens, on va fondre un peu de bois, comme on a dit. Ouais, je savais pas, tu me l'as pas dit. Ben, il séchera d'autant mieux. Hein. Ben bien. Oui, c'est pour ça. C'est aussi bien, il séchera plus vite. Hein. Puis Robert, il me l'a affûté tout à l'heure. Bah, j'ai pas amené de coin, j'ai pas amené de masse, j'ai pas amené de merlin. Alors, je vais pas te regarder travailler, ça me fatigue de te regarder travailler. Ah, tu peux ranger le bois si tu veux. Oui, je vais ranger ça et puis après je vais aller faire la bouture. Parce que demain soir, si Pierre-Marie amène le fumier, ouais. J'aurai pas le temps. Non, je vais aller faire... celui-là, je vais le laisser tomber. Parce que... Je vais aller faire la bouture de rhubarbe pour ma collègue. Il est trop chier celui-là. Ah ouais, mais là, ça vaudrait le coup d'avoir un coin. Parce qu'avec un coin, tu l'aurais déjà eu. Il y en a des coins à la maison. Hein. Quand tu veux faire prendre du bois, il faut du matériel. Mais encore, là, ça va. Il y a le merlin. Ça, c'est une hache. Mais à la maison, il y a le merlin. Il y a la masse. Il y a les coins. Ouais, mais le merlin, il faudra que tu le raffutes. Parce que... Oui, bah, on peut raffuter. Fais attention à toi. Oui, là, ça va bien. Quand il n'y a pas de nœuds. Ça se fond bien en plus. Il a séché un peu, pas beaucoup, mais. Oh non, il n'a pas encore séché. Hein. Non. Non. Ça... Et tu sens l'odeur de sève là? Non. Tu sens pas? Non. J'ai débouché. Là. Ça sent le bois frais. Non, non. Il va sécher cet été. Hier, quand j'avais fondu le bois hier, j'étais rouge partout. Par contre, celui-là, faut qu'on le remonte cet été. Hein. Faut pas qu'on attende l'année prochaine, il n'y a qu'à venir une crue et puis il est parti à Saint-Brévin-les-Pins. Bien sûr. Ça serait dommage. J'ai dit à Robert, tiens, je vais aller en faire un peu dans le champ. Là. Ouais, t'as besoin de te dépenser, t'as rien foutu aujourd'hui? T'as pas travaillé? Si, si, j'ai travaillé, si, si, mais... Ouais, ben... Mais je tape dessus pourtant. Oui, oui, mais ça saute bien. Ouais, c'est bon pour la cheminée, ça. On fait quand même des belles billes, hein. C'est ce que je disais à Pierre-Marie, j'ai demandé à Pierre-Marie si on pourrait lui emprunter ça pour ça, c'est pas fait la raison pour. Oui, il y a qui me l'a dit? C'est Robert qui m'en a parlé. J'en ai parlé et il m'a dit oui, il n'y a pas de souci, il faudra juste que tu me le demandes. Il a dit qu'il mettrait une chaîne neuve dessus. Ben, tant qu'à faire, neuve ou aiguille en tout cas. Oula. Bon, je vais y aller. Ah. Refends-le celui-là. Non, non, prends-le par là. Voilà. Excellent. Ah. Putain. Ouais, bah, je crois que je vais me ranger avant d'en prendre une. Hein. Ah. Bon, bah, peut-être à tout à l'heure.
T'arriveras à passer? Oui, j'arriverai à passer, tu sais bien ranger. De toute façon, après, dès que j'ai fini ça, ces billots-là, je vais rentrer, moi. Okay. Bah, je te dis à demain, si on se voit. Hein? Peut-être à demain. Peut-être à demain. De toute façon, il passe demain pour mettre le fil. C'est lui qui commande. Ok. J'en sais rien. S'il a pu charger, tu sais, avec lui, ça dépend de ses animaux. Hein. Bah ouais, c'est ça le problème. Bon, à plus tard. Il y a mon ami, mon oncle qui est venu passer, faire un petit coucou. Oh, le bois, c'est pour Christophe. Le monsieur que vous venez voir, je le considère comme mon oncle. Mais de base, c'est pas mon oncle, mais je le considère comme mon oncle. C'est un bon ami, ça fait des années que je le connais, il me rend service, moi je lui rends service. C'est grâce à lui que je fais des vidéos sur YouTube et sur l'agriculteur que vous voyez, que je vous ai fait une story là, par rapport à Pierre-Marie. Là. Du coup voilà. Ah, il est en train d'évacuer les branches pour qu'il puisse passer avec sa voiture. Du coup, voilà. Alors, je vais refondre encore un petit peu avec vous et puis on va arrêter là. Allez, go, c'est parti. Tracteurs, ils sont de sortie aujourd'hui. Alors bientôt, il y aura une nouvelle vidéo qui sortira prochainement parce que je ne l'ai pas encore tournée. Ça va être la vidéo, je peux vous en parler déjà. C'est la vidéo de l'épareuse avec le tracteur parce que je vous le promets. Et il faudra bien que ça se fasse là. Parce que ça va être la saison là, pour faire les palisses. Voilà. Oh. Du coup voilà. Bah je vais vous faire un petit tour. Alors, du coup ce que vous voyez, bah on voit pas très bien parce qu'il fait sombre, c'est chiant. Alors, ce que vous voyez tout le tour de la parcelle là, je vais passer un coup d'épareuse, un coup de lamier avec le broyeur. Je vais faire ça avec le broyeur à fléau pour nettoyer au bord des palisses tout le tour. Hein. Tout le tour, il y a 4 champs à faire. Du coup, voilà. Bon, sur ce, les gars, on va s'arrêter là. Parce que on a fait un beau petit bois, un beau petit tas de bois ici. Du coup, voilà. Bon, on va s'arrêter là. Parce que je parle. Et moi, je voudrais un peu avancer. Je vais en finir quelques 3 petits vidéos. Il m'en reste 3 ou 4. Et après, je vais rentrer. Du coup, voilà. Bon, allez, sur ce, les gars, je vous dis... Mettez le pouce bleu, abonnement et puis bonne vidéo, bonne continuation et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut !